Dominique, on va regarder la composition d'équipe de l'Espagne sur les derniers matchs, une composition type. Antoine, vous allez nous dire les points faibles, si vous en trouvez, de cette équipe d'Espagne. Et où est-ce que l'équipe de France peut avoir être supérieure à l'Espagne? Je pense que le niveau de Busquets, c'est la question à 100 000. Moi je sais où est la faiblesse. Aujourd'hui la faiblesse c'est Torres. Il faut dire ce qui est. Arbeloa. C'est Torres. C'est un joueur qui n'est pas en confiance. Ils n'ont pas d'avant-centre, nous on n'a pas de défense. Voilà, il sort dans la défense. Il sort d'une saison très compliquée. Donc voilà, tant que l'Espagne aura le ballon, tant qu'elle aura donc la possession du ballon, elle jouera donc à 30 mètres, 40 mètres. Il ne faut pas qu'elle s'approche du but, puis surtout il faut bloquer l'axe. Et aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de marquer l'Espagne. C'est leur souci. C'est pour ça qu'on voit c'est Fabregas qui joue attaquant. Hein, quand il rentre, alors qu'il a Torres sur le banc, il a Negredo, mais il ne les fait pas rentrer. Donc ils ont un souci aujourd'hui pour finir les actions.